Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations à AgroEco responsable. Beauté, comme on dit souvent au Congo. Alors, ravi pour le plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur depuis le Congo Brazzaville. On va continuer en fait chez Agripreneur la suite du conseil à donner aux débutants en agriculture. Alors, chez Agripreneur, ce qu'il faut dire en fait, c'est que si vous êtes débutant en agriculture dans cette autre capsule, dans la première capsule, on a déjà eu à donner le conseil qu'il fallait, disant qu'il faut commencer petit et voir grand. Alors, dans cette autre capsule chez Agripreneur, ce qu'on va vous dire en fait ici, c'est que si vous voulez débuter en agriculture, si vous voulez vous lancer par exemple comme, vous voyez ici, on est dans ce verger de manguiers qui produit déjà assez, il y a les manguiers un peu partout. Tout, vous pouvez vous-même voir comment la 4S et la 4B sont au rendez-vous, il y a assez de production. Alors, si vous voulez vous lancer pour un début en agriculture chez l'agripreneur, ce que vous devez éviter de faire, c'est de prendre un crédit à la banque pour vous lancer, pour commencer votre activité. Faites l'effort de commencer sous forme propre, quoi, avec vos propres moyens, question de pouvoir comprendre l'activité, de pouvoir avancer de vous-même, de voir les difficultés. Et lorsque vous allez aller solliciter un financement chez l'agripreneur, ce sera pour accroître ce que vous avez mis au départ. Ce sera pour fructifier ce que vous avez mis comme fonds propres au départ. Mais par conséquent, si vous prenez du crédit à la banque et que vous vous lancez, il n'y a pas de suite favorable, vous voyez que vous pouvez vous retrouver en prison, vous pouvez être fugitif parce que vous avez pris des moyens, que vous n'avez pas eu la capacité de les multiplier, de rembourser le crédit que vous avez pris. Donc, chers agripreneurs, si vous voulez vous lancer en agriculture pour le début, pour une première fois, il faut éviter de prendre du crédit à la banque. Lancez-vous avec vos fonds propres. Ça peut être 500 000, 1 million, 2 millions, mais au moins rassurez-vous que ce soit vos fonds. Ça fait que si vous perdez, vous avez appris, et lorsque vous allez revenir, vous serez plus sage, plus fort pour pouvoir mieux fructifier cet argent. Donc, j'espère que le conseil est passé et que vous saurez mettre cela en pratique pour les prochaines campagnes ou les années à venir. Alors, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.